Attention, les propos tenus dans cette vidéo sont tenus par un ours. Et conformément à la loi du 25 décembre 1438, les ours ont le droit d'uploader des vidéos sur YouTube, mais pas sur Watt.tv parce que c'est trop des bolosses de TF1 lol. Trop des bolosses wesh. C'est Noël, youhou. C'est Noël, c'est Noël. Youhou, c'est Noël! C'est Noël! Youpi, c'est Noël! Voilà, et bien, c'est Noël! Ils sont où les cadeaux? Ils sont où? Ils sont où? Je vais les trouver! Ils sont où? Ils sont où les cadeaux? Ils sont pas là les cadeaux! Ils sont pas là! Ils sont où les cadeaux? Ils sont où? Ils sont où les cadeaux? Putain, c'est le frigo ça! Ils sont pas là les cadeaux! Ils sont où les cadeaux? Ils sont où? Ouf. C'est pas mes cadeaux ça! C'est des crêpes au fromage ou chez Lidl! Mais ils sont où mes cadeaux? Et ils sont où mes parents? Réfléchis, prends ton temps. Ah oui, j'oubliais, mes parents sont morts. Salut bande de laïcs orthodoxes et bienvenue dans l'analyse. L'émission qui prend tes cadeaux de Noël et qui les envoie au Mali. Pour les petits-enfants qui meurent de faim. Alors cette semaine, c'est Noël et on va analyser des chansons de Noël. Tu t'y attendais pas, hein, salope. Des chansons de Noël, comme dirait Eric Zemmour, il y en a tellement qu'il faudrait les déporter. Et on commence avec Vive le vent. Et blanc de neige blanche. Putain mec, tu m'apprends un truc. Un vieux monsieur s'avance, sa canne dans la main. Et franchement, un vieux papy avec une canne dans un long chemin, ça commence comme un mauvais fait d'hiver. Vous avez compris? Fait d'hiver, c'est un fait et on est en hiver. Fait d'hiver, c'est un fait et on est en hiver. Ah c'est drôle, alors riez putain, riez bordel de merde. La romance? Le mec, pour lui, une chanson sur le vent, c'est une romance, mais il fait quoi de sa vie? Il se branle sur la météo des Vintelia ou quoi? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Pourquoi les gens qui chantent des chansons bégayent toujours? Dis-le en un coup, bordel de merde! Vive le vent d'hiver! La manière dont tu le dis, on dirait Vincent Lindon, putain! Ok, alors je sais pas si vous êtes déjà tapé du vent dans la gueule, mais en plus du vent d'hiver, c'est une saloperie qui vous glace les testicules. Et vous kiffez ça? A la base, cette chanson c'est Jingle Bells, mais elle était traduite en français par Francis Blanche. Blanche comme la coque. Ça explique tout. Sérieusement, il fait moche de ouf et toi tu kiffes? Mais quel genre de psychopathe es-tu? Quel genre de psychopathe es-tu? Est-ce que tu manges la gentitude? Les victimes les enterres-tu dans de la terre battue? Bonne année grand-mère. Bon, on lui souhaite la bonne année parce qu'elle va certainement crever la pioque. Allez Jackie, la suite. C'est quoi? Putain, mais c'est dans quelle maternité que t'as vu qu'on pouvait jouer de la musique? Mais je pensais que ça prenait que 9 mois une grossesse chez les humains. 4000 ans, putain, il s'est fait niquer quelque part. Hé, calme-toi, c'est Mille Louis. Putain, on s'étonne que les curés soient pédophiles, ils sont toujours en train de se toucher la bite sur le petit Jésus, lol. Bon, on va arrêter là parce que en vrai, il y a 4 autres couplets dans lesquels ils disent que le nouveau-né il est sexy et tout. On continue avec Nez Rouge. C'est quoi cette chanson? On l'appelait Nez Rouge, ah comme il était mignon, le petit reine au Nez Rouge. Non mais les mecs, vous avez pas d'imagination, sérieux? Alors, au bureau, y a un nouveau, c'est un chinois qui bégaye un peu, tu vois. Donc du coup, son surnom, c'est Chima qui bégaye. C'est original. Et vous devez faire rêver les gens, putain, là je vois rien, là. Rouge comme aluminium. C'est pas un Pokémon ça? Son petit nez faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait bien un petit coup. Mais c'est du putain de racisme! Mais vous vous moquez d'un animal qui a une difformité physique et vous en faites une chanson. Et à cause de ça, vous insinuez qu'il est alcoolique. Attendez, ça va pas se passer comme ça! Je vais appeler mademoiselle.com! On va faire un Tumblr sur vous, on va faire un article, on va appeler les fémènes! On va faire une marche silencieuse, bande de sexistes! Hein? Bon, avec les reines seulement, mais voilà! Vous êtes reiniste!
comme chanson, il y a aussi Mon beau sapin. Alors je vais même pas faire chier à commenter, je vais laisser Alain Soral parler à ma place. Alors, Mon beau sapin, roi des forêts, hein, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul sapin, hein, et qu'en plus on va l'abattre pour le mettre dans le salon d'un connard de bobo, hein, voilà. Cette chanson, c'est une véritable arnaque intellectuelle, hein, ça je dis dans mon livre Comprendre les sapins, hein, qu'on a réédité plus de 7653 fois, hein. Non mais ça c'est la faute à la communauté organisée des sapins, hein, ça je préfère le dire, voilà. Merci, merci. Avant qu'on m'attaque au portefeuille, hein, voilà, qu'on dise que je suis anti-sapami. Merci à... ça je l'ai dit, hein, voilà, c'est vérifiable, ça je dis dans mon livre. Ta gueule. Comprendre les sapins, voilà. 28 euros. On continue avec Petit Papa Noël. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc. Putain, mais ça va! On a compris que la neige c'était blanc, putain! Vous avez vraiment pas d'imagination, bande de fils de pute! En plus, c'est quoi cette fils de puterie? Tu dis que la neige elle étend son manteau blanc. Ok, elle a un manteau, mais tu enlèves le manteau blanc, y'a rien, putain! Y'a rien! Mais y'a rien! Arrête de te la jouer bonnière alors tu dis que de la merde! On dirait du Black M, sérieux! Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Chez nous, les enfants, ils sont à genoux pour d'autres raisons, hein! c'est pour la cueillette des raisins durant les vendanges. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Les enfants font la prière, mais je croyais que les musulmans ne fêtaient pas Noël. Je fête pas Noël, je suis en colère. Je trempe ma bite dans ton paratonnerre, usé. Petit Papa Noël. D'où il est petit le Papa Noël? Le mec il est en obésité morbide, il rentre à peine dans ta pute de cheminée et pour toi c'est un petit Papa Noël. Putain, j'ai pas envie de voir le gros. Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers. Bon, je vais pas vous refaire le coup du Père Noël qui est scientifiquement impossible, on a vu dans toutes les séries à la con la mort mal de genre Big Bang Theory. Nous en Belgique, on a le père fouetteur, et il fouette les enfants dans des caves. Ouais, même que son nom c'était Marc Dutroux. N'oublie pas mon petit soulier. Soulier, mais bordel, mais moi je veux une PS4, ça va pas rentrer dans un soulier. Puis où t'as vu que les ours ils mettaient des souliers, tu nous as pris pour des pédés ou quoi? Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Quoi? Mais j'ai rien fait moi! Eh connard, c'est pas de ma faute si tu mets pas une doudoune Canada Goose, hein! Non mais il est sérieux lui, je suis apparu, mais c'est de ma faute! Ça va, il m'a saoulé là! Non, 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 on arrête, on arrête! N'importe quoi! Le Père Noël qui descend du ciel! Un jeu. Attendez. Attendez. Il descend du ciel. Il travaille un jour par an. Tout le monde le connaît. Il fait rire les petits et grands. Personne ne le prend au sérieux. Des gens pensent qu'il n'existe pas. Mais en fait. Le Père Noël, c'est Jacques Cheminade! Tout coïncide! Putain, tout n'est que tromperie! Oh mon dieu, ceci explique cela! C'est bien la preuve que vous auriez dû voter pour lui, bande de fils de pute! Là, tout le monde est en train de se plaindre de Hollande! Allez, je vous souhaite un joyeux Noël à vous tous! Moi, je vais aller échanger des bébés à la maternité! Quel genre de psychopathe es-tu? Est-ce que tu manges des gens que tu tues? Les victimes les enterres-tu? Dans de la terre battue? Quel genre de psychopathe es-tu? J'adore mon travail! Est-ce que vous croyez que je fais quand vous abonnez? Je fais ça!